Bienvenue à toutes et à tous dans ce tutoriel. Donc on a vu dans le précédent tutoriel les variables, un peu comment ça fonctionnait. Maintenant on va mettre en œuvre ces variables et on va voir les conditions qui sont très importantes dans Unity, on en utilise beaucoup. Les conditions c'est quoi? En fait c'est par exemple si A est plus grand que B, alors j'effectue cette action, sinon je fais autre chose, traduction comme ça, mais il faudra dire ça par du code. Donc en C# toujours, comme j'ai dit, je vais expliquer le script en C#, mais on peut aussi le faire en JavaScript, c'est assez proche, mais une syntaxe un peu différente, notamment au niveau des déclarations de variables, tout ça. Donc je vous conseille de rester en C# pour coller avec avec ce tuto jusqu'au bout si vous voulez apprendre et bien comprendre ce que je fais. Donc on va retourner au niveau de notre script. Alors pour mettre en œuvre ça un petit peu, parce que là on joue avec la console, c'est bien, mais c'est pas très pas très sexy comme on dit. Donc le mieux ce serait peut-être quand même de jouer au niveau de notre scène. Donc on va supprimer notre cube. Ce cube disparaît, mais vous pouvez voir que mon script est toujours ici au niveau de mon asset, hein, d'ailleurs qui n'est pas rangé. Par la suite, on fera un sous-dossier script et on les mettra dedans pour bien s'y retrouver. Parce que ça va très vite après avec un jeu, vous avez beaucoup de scripts, beaucoup d'objets, donc ça va très vite être bordélique. Vous pouvez voir aussi quand je sélectionne un script sur la droite ici, dans l'inspecteur, je vois le script. Donc voilà. On va, pour mettre en œuvre nos variables, utiliser un objet qui est le 3D text. Alors, je vais faire GameObject, 3D Object, et je vais insérer un 3D text, un text mesh. Je vais laisser ce nom par défaut qui est NewText. On n'a pas encore vu cet objet, mais vous pouvez voir quand vous mettez, vous avez un texte 3D. Alors, on va positionner ce texte 3D de manière à ce que notre caméra le voit. Donc, ma caméra... Enfin, la caméra étant sur mon FPS contrôleur, je vais simplement reculer mon FPS contrôleur et on va voir à l'écran ce texte. Évidemment, si je démarre mon jeu et que je déplace mon FPS contrôleur, vous voyez que j'arrive sur le texte. Le but ne sera pas de le déplacer, mais simplement de le voir à l'écran. Quand vous sélectionnez votre 3D texte, vous avez ici sur votre droite, vous voyez, un composant text mesh. C'est un text mesh. Un mesh renderer. Donc le mesh renderer, comme pour tout objet, si je le décoche, il ne s'affiche plus. Le text mesh, ici vous avez des paramètres. Et ici par exemple, on va, au lieu d'afficher Hello World, on peut très bien modifier ce texte en disant mon texte ici. On peut modifier son size, la font size, la font aussi par défaut, vous avez juste l'Arial dans Unity, mais vous pouvez importer des polices pour que ce soit plus joli. Sur, par exemple un site très connu qui s'appelle Dafont, vous avez toutes sortes de polices et ça rend tout de suite beaucoup mieux. Là vous pouvez voir qu'en fait un défaut d'Unity par contre c'est au niveau des textes mesh 3D comme ça, vous pouvez voir que le texte est flou. En fait il faut, c'est un petit bug, vous le corrigez en montant, en fait vous voyez que le font size est à 0, vous montez le font size par exemple à 50, votre texte est beaucoup plus grand, mais vous le redimensionnez ici à l'aide de l'outil de redimensionnement d'objets comme les cubes, vous voyez je le redimensionne et on peut voir que mon texte est un peu plus joli. Je vais d'ailleurs déplacer ce texte plus haut pour qu'on le voit bien. Donc voilà. On va retourner au niveau de notre script variable et on va d'ailleurs l'affecter tout de suite à notre text mesh. On va se servir de lui et on va agir dessus. On va retourner dans le script, on l'édite et on va évidemment supprimer tout ce qu'on a fait. On va garder le void start et le void update. Alors les conditions, ça fonctionne comment? Alors, avant de faire les conditions pour mettre en œuvre, on va afficher quelque chose dans ce texte. Donc justement, je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait mettre des game objects, des rigid body. Ben là, on va mettre une variable publique, vous allez comprendre. Public. Alors, est-ce que ça va fonctionner vu que je suis dessus? On va tester. Donc, une variable publique de type text mesh, parce que le texte est un text mesh, et que je vais appeler mon texte. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Je vais enregistrer ça et vous allez voir que maintenant, alors là je me pose moi-même une colle parce qu'en fait je mets, mais ça devrait fonctionner. En fait il faudra renseigner au niveau de mon texte quel est ce texte et pour que je puisse agir dessus. Donc je vais glisser ça là et on peut voir que maintenant new text est ici au niveau de mon texte. Ce qui veut dire que je vais pouvoir agir dans mon code sur cette variable mon texte qui va en fait être ça. Vous l'aurez compris, ce qu'on va modifier, c'est le contenu mon texte. Et on va le faire tout de suite au niveau du start.
Alors, que va-t-on faire? On va utiliser un compteur tout bête. Donc, on va mettre ici, on va mettre une variable de type privé parce que là, du coup, on ne doit pas la toucher. Et on va mettre private de type int, integer, un nombre fixe, et qu'on va appeler nombre. Et on va l'initialiser à 1. Voilà. Au niveau du start, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire ici que le text mesh, donc mon texte, vous voyez que je le retrouve ici, point pour accéder à tous ces composants en fait, enfin pratiquement tous, vous voyez que j'ai le font size, le font, et je vais surtout avoir le texte qui m'intéresse, donc en fait, vous voyez ici, tab, voilà, texte, en fait ici ça revient en fait à mon texte, j'ai renseigné lui. Et ici, le texte, ça va être modifiable ici dedans. Donc il y en a qui sont en lecture seule et d'autres qui sont modifiables. Ce composant-là, enfin ce paramètre-là, est évidemment modifiable. Et on va dire, donc, mon nombre, j'affiche, je pourrais mettre n'importe quoi. Et comme vous avez pu voir dans le précédent tuto, on va simplement dire qu'il affiche derrière mon nombre, la variable nombre. Voilà. J'enregistre et on teste ça pour voir ce que ça va faire au démarrage. Et on peut voir que mon nombre est égal à 1. Voilà. Donc j'étais peut-être un peu gourmand sur la taille du texte. Je vais la remodifier ici un petit peu plus petit parce que sinon, voilà. Donc on met en route et on voit au start, donc au lancement, il modifie. Ma variable est égale à 1, donc c'est normal. Au niveau de l'update, imaginons que ce nombre je veux l'augmenter. Alors je vais dire qu'au niveau de l'update, donc à chaque frame, donc ça va aller très vite, hein, nombre est égal, alors on veut additionner, alors ça c'est pas forcément simple pour ceux qui viennent du basique ou des choses comme ça, vous allez, en général on fait nombre égale nombre plus 1. Donc ça va fonctionner, on va tester pour voir ce que ça donne, et on va donc, cette syntaxe est censée prendre le nombre et ajouter 1, et il faut aussi qu'on mette à jour à l'écran le texte, parce que là en fait ma variable va s'incrémenter de 1, c'est très bien, mais je vois pas à l'écran, moi je veux le voir à l'écran, donc je vais faire en fait réajouter ça dans l'update, donc je vais faire un copier-coller, je sélectionne, je fais copier, ou aussi CTRLC. Et ensuite, après avoir incrémenté ma variable, je vais faire un coller ici, ou un CTRLV. J'enregistre et je regarde ce que ça donne. Donc là, si notre script fonctionne, ça devrait ajouter 1 à la variable à chaque frame. Vous allez voir que ça va aller assez vite. Voilà. Donc c'est parfait, c'était le but recherché. Par contre, vous allez souvent être confronté, on peut réduire ce texte, en fait la même chose, c'est de dire nombre. Plus égale 1. Plus égale 1, ça veut dire on ajoute 1 au nombre. C'est la même chose que dire nombre égale nombre plus 1. Vous allez très peu voir nombre égale nombre plus dans du code. En général, on fait ça. On peut faire nombre moins égale 1. Ça va être le nombre moins 1 de la même manière. Donc ça, c'est exactement la même syntaxe. Vous allez rencontrer ça très souvent plutôt que nombre égale nombre plus 1. En visuel basique, c'est ce qu'on utilisait, mais on peut l'utiliser là comme vous pouvez le voir aussi, mais c'est plus propre de l'utiliser comme ça. Donc je vais tester mon code, mais vous allez voir qu'on a exactement le même résultat. Voilà. Avec ça, on va pouvoir s'amuser à faire des conditions. Alors, des conditions, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des si A égale plus grand que B, ou alors fait quelque chose, une action. Donc les conditions, alors on va faire ça. Alors première chose aussi, dans le script, c'est toujours bien de bien ranger son script, donc ce qu'on appelle l'identation, vous voyez, on met bien les accolades alignées, on met bien le texte aligné. On peut aussi faire un commentaire, commenter le texte en début de code. Donc vous voyez, à partir de deux slash, j'écris ici ce que je veux en fait en vert. Ce ne sera pas interprété par le code, c'est juste pour moi, pour dire voilà, là en dessous je mets ma condition. Ici par exemple, on a coutume de dire déclaration de variable.
Ces lignes en vert avec deux slash, ou je peux même mettre deux derrière, ne sont pas interprétées par le Unity. Ça, c'est comme ça pour beaucoup de langages. Là, c'est deux slash suivi de quelque chose. En basique, c'est, je ne sais plus, du REM, ou alors vous aviez la touche 4, le petit astérix, là, enfin bref. Mais en C-Sharp, c'est comme ça. Donc la condition, je vais la tester ici. Alors, comment on fait une condition? En fait, ça se traduit par if. If. Alors la syntaxe, il faut la prendre en fait. Elle est facile à comprendre et elle est facile à reproduire à force de le faire. Vous allez très vite la retenir. Mais on utilise le if, qui est en vert. Donc, si, if ça veut dire si, entre parenthèses, si quoi, et là je dois mettre quoi. Alors par exemple ici, je dis que mon nombre est plus grand que 1000. On a pu voir que 1000 ça valait assez vite. Donc je lui dis si, entre si quoi, entre parenthèses, c'est si mon nombre est plus grand que 1000. Comment fait-on ensuite? On va à la ligne, on met des accolades. Et c'est là où vous voyez que l'indentation est importante, parce que ici, si elles ne sont pas alignées, si je les mets là, pour m'y retrouver quand je vais avoir beaucoup de code, ça va être très compliqué. Sachant que cette accolade-là ferme celle-là, quand je clique, cette accolade-là ferme celle-là, et cette accolade-là ferme celle-là qui est mon monobehavior. Donc vous pouvez voir que c'est très important, l'indentation, de le positionner où il faut, pour s'y retrouver ensuite quand vous avez beaucoup de code. Donc là, en fait, ça va être l'action. Qu'est-ce que je fais si mon nombre est plus grand que 1000? Et bien alors, je vais écrire debug.log. On va réutiliser la console. Oui, on va réutiliser la console parce que vous avez bien compris le principe. Hein. Et on va écrire mon nombre est plus grand que 1000. Point virgule. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire play? On va remettre la console ici. Il y a toujours le clear and play. Donc, je mets play, mon nombre s'incrémente. Alors, 1000, bon, ça va aller relativement vite. J'aurais peut-être dû mettre moins. On va le baisser pour le prochain à 500, ou même 300. Donc, tant que en fait cette condition n'est pas vraie, il ne me fait rien. C'est normal, je ne suis pas plus grand que 1000, mon nombre. Par contre, dès qu'il va passer à 1000, vous allez voir que... voilà, mon nombre est plus grand que 1000, et ici vous voyez que au niveau de mes occurrences, ici c'est parce que je suis en collapse, mais à chaque fois il me l'écrit, évidemment. Donc on va remodifier ça ici en 300 pour que ça va plus vite, parce que sinon on va avoir... Donc mon nombre est plus grand que 300. Donc vous aurez compris, la condition c'est relativement simple, hein. If, quoi, alors, entre quoi, je fais quoi. Par contre, vous avez pu voir que tant qu'on n'est pas à 300, il fait rien. Et imaginons que quand il n'est pas à 300, je dirais qu'il est plus petit que 300, tout simplement. Alors, je vous ai dit, on pourrait faire un if nombre est plus petit que 300. Alors, ici, je débug pas long, mon nombre est plus petit que 300. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est dommage parce qu'ils ont prévu ici, si vous mettez au niveau de à la fin de votre if ici, et que vous faites else, et vous rouvrez des accolades, ça veut dire que si mon nombre est plus grand que 300, j'écris ça. Sinon, s'il n'est pas plus grand que 300, et ben alors je vais écrire mon nombre est plus petit que 300. Et on va tester ça tout de suite, et vous allez voir que là, vous voyez, j'ai des occurrences qui augmentent au niveau, alors mon nombre là, et à 300, il me dit que donc mon nombre est plus petit que 300, j'ai 300 frames, vous voyez, à peu près. Et là, à partir de 300, il m'écrit maintenant que mon nombre est plus grand que 300. Alors, on voit que ça continue de défiler. Ça peut être intéressant parce que, par exemple, si maintenant je dis que je veux pas que ce nombre dépasse 300, et ben je dis ici, au lieu de faire mon debug.log, et d'ailleurs, je n'en ai plus besoin, je ne vais plus écrire, maintenant vous avez bien compris le principe, je vais simplement dire ici dans mon code que si mon nombre dépasse 300, alors nombre est égal à 0. C'est-à-dire quand il va arriver à 300, il va réinitialiser à 0, et donc il va réadditionner, ça va repartir comme un compteur qui repart à 0. Comme des secondes, on aurait pu le faire à 60, mais vous allez voir que là à 300, il va redémarrer à 0. Et voilà, c'est une boucle. Donc vous avez compris la condition, comment ça fonctionne.
on peut agir comme ça avec ces conditions sur plein de choses. Dans les jeux, ça va être super important. Si mon player rentre. Si la vie de mon player est inférieure à 0, alors tu me joues l'animation dead, ou alors tu me joues la scène. On peut créer une scène à marquer en texte simplement je suis mort, et voilà. Donc les conditions vont être super utiles, on les utilise énormément dans Unity. En tout cas, moi, vous allez voir, il y a beaucoup de if, de else. Alors, ce qui peut être aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre des conditions dans des conditions. Par exemple, là, comment je pourrais vous montrer ça? On va déclarer un booléen public. On va le mettre en public pour pouvoir interagir dessus pendant la scène. Donc un public bool qui renverra vrai ou faux. Donc on va appeler ça... Comment je pourrais dire ne boucle pas, enfin ne tient pas compte. Allez, boucle. Et on va l'initialiser à false. C'est-à-dire que boucle est égal à faux. Ici, dans ma condition, je vais rajouter une condition dedans. Enfin, dessus. Je vais dire que en fait, cette condition doit être exécutée si if boucle est égal à true. D'accord ? Alors, on va remettre les accolades. Alors, je vais vous montrer quelque chose aussi au niveau du égal. Égal n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que égal, c'est pour attribuer quelque chose, une somme. Je dois dire beaucoup. Par exemple, vie égale 100. Là, je dois vérifier s'il est égal à true. Donc, je dois mettre deux égales. Mais il y a une autre façon d'écrire ça aussi. Vous allez comprendre. Mais en attendant, on va laisser ça comme ça. Donc, si ma boucle est égale à true, à ce moment-là, je déplace cette condition et je la mets dans celle-ci. Voilà. Et vous voyez que l'indentation du texte prend tout son sens parce que là, avec les ifs, on se perd vite. Hein. Donc, je vais tout de suite le placer correctement. Voilà. Donc, il n'exécutera que cette remise à 0 si nombre est plus grand que 300 que si mon boolean boucle est égal à tout. Je l'initialise à false au départ. Donc, normalement, il ne fera rien. On va tester ça. Mais je mets play, je fais échappe pour essayer de voir le... Voilà, on continue à voir le texte. Alors, le problème, c'est que effectivement avec le... Voilà, là, ça va plus bouger. Donc vous voyez, je suis à 400, il n'a pas remis à 0. Mon boucle est à false. Je le coche, et là, automatiquement, il a détecté que j'étais plus grand que 300, il est reparti à 0. Et il va le faire à chaque fois. Parce que j'ai une condition dans ma condition. Ma première condition, c'est si jamais mon boucle est à true, alors je remets le compteur à 0 à partir de 300. Mais s'il ne l'est pas, eh ben je ne le fais pas. Et à partir du moment où ce sera vrai, ben je vais remettre mon compteur à 0. Vous voyez, là, je suis à 400. Et ben là, tout de suite, il me le remet à 0. Donc on peut, vous voyez, au niveau du code et des conditions, avoir une condition dans la condition. Au niveau du boucle égal true ici, il y a beaucoup plus simple. On utilise, et vous allez rarement voir ça aussi, moi je ne fais pas comme ça en fait. On met tout simplement if boucle. Pourquoi? Parce que if boucle égal true, il n'y a rien. S'il est vrai, alors, ça revient exactement au même que égal égal true. Par contre, pour lui donner en false, vous auriez mis égal égal false. En fait, il y a le point d'exclamation qui en fait veut dire là, boucle égal false. Si boucle égal false, alors, j'exécute ces 300. On va d'ailleurs laisser comme ça. Là, en fait, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, il est à false. Donc, en fait, quand il va être décoché, eh ben, il va me remettre mon compteur à 0. Hop. Il va remettre mon compteur à 0, là, automatiquement, parce qu'il est décoché. Et à l'inverse, par contre, si maintenant je le coche, il va être vrai, donc il ne va pas me le faire. Parce que là, dans le code, je lui ai mis si boucle est égal à false. Et si je le décoche, hop, ça marche. Donc voilà pour ce qui est des conditions. Alors on voit ça de manière un petit peu rapide et succincte, mais c'est ça, il faut quand même le savoir pour pouvoir continuer notre petit jeu ensuite par la suite. On est déjà à 20 minutes, donc je pense qu'on va en rester là pour cette partie de code pour les conditions. Mais on peut voir qu'on commence déjà à faire du script, évidemment qui n'agit pas sur notre jeu, mais qui en fait, si on va voir, on va utiliser tout ça après dans notre jeu et ça va être beaucoup plus.
plus rapide. Donc là, je vois ça en détail avec un peu de temps. Mais regardez cette vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas tout compris. Allez voir au niveau de codes que vous pouvez retrouver ou des sites où n'hésitez pas à aller voir d'autres sites hein, qui vous expliquent un petit peu le script. Le scripting, c'est quand même super important. On ne peut pas faire de jeu dans Unity si on ne sait pas faire un minimum de script. Au moins dans un premier temps, justement, comme des sites sur des chaînes comme les miennes qui vous expliquent au fur et à mesure le script, vous les recopiez. Dans un des fois au départ, je ne scriptais pas moi. Alors, pour vous dire, je ne scriptais pas en C#. Pour ceux que ça a l'air là, que ça, on dirait une montagne et que vous pensez ne pas y arriver. J'ai découvert Unity à 2 mois et demi. Je ne connaissais non pas. J'avais des bases en VB.NET, mais pas en C#, je n'y connaissais rien. Donc en 2 mois et demi, vous voyez au niveau des jeux, ce que je sais déjà faire et tout ça, je suis pas plus malin qu'un autre, j'ai simplement regardé beaucoup de tutos, et ça m'a permis de progresser, d'apprendre tout ça. J'en sais pas encore, je sais pas encore tout, mais je sais quand même pas mal de choses, donc c'est pour ça que j'aimerais bien partager les choses que je sais avec vous, et vous apprendre à faire des jeux, donc n'hésitez pas à me signaler des choses si vous voyez que je dis des bêtises, ou s'il y a des choses que je dis qui ne vont pas, ou posez vos questions sur à la suite de la vidéo du tuto. Et aucune question qui est bête. Hein, il faut, des fois on ne comprend pas parce que je peux mal expliquer. Donc n'hésitez pas à le signaler et abonnez-vous surtout pour m'encourager à continuer. On va en rester là pour ce qui est des conditions. Et on va voir un petit peu. Alors sur la prochaine vidéo, je ne sais pas ce qu'on va voir. Mais on a encore un petit peu de script, je pense, à avoir. Des bases pour pouvoir commencer et ensuite on va faire des scripts au fur et à mesure et je vais vous expliquer comment ça, vous détailler aussi ça, donc on va mettre un peu de temps, cette série va être assez longue mais c'est indispensable pour bien comprendre. Je vous dis à bientôt et abonnez-vous surtout. Merci, au revoir.